connais. Moi, si mon roi y est, va t'habiter. Toi, tu ne connais même pas l'origine. Aujourd'hui, c'est la femme la plus célèbre. Et cette femme habitait en Galilée. Moi, si on a allé pour faire dans la Galilée. Dans le village de Nazareth. La moka ya Nazareth. Que veut dire serve? Galilée, Nikoloba. Nikoumoutou. Ça veut dire serve. Et Nikoloba, Nikoumoutou. Cette femme vivait au milieu d'un cercle. Moi, si on a allé pour faire dans la Katina, Nikoumoutou. Une vie. Et si Kao est allé qui prenait dans l'autre côté. On va progresser, hein? Et tu vas pas progresser. Une vie maudite. Une vie de souffrance. Tu fais ça. Mais après tu vas retourner. Si on consomme la dissoussima. Parce que tu es dans un cercle. Alléluia. Mais la Bible dit. Malgré le cercle. Cette femme habitait à Nazareth. Mais moi, si on a allé pour faire dans Nazareth. Nazareth veut dire. Nazareth est Nicoloba. Rameau. C'était Lidala. Ça veut dire rameau. Nicoloba Lidala. Et le rameau symbolise la louange. Lidala les a connus ça. Ça symbolise l'adoration. Les a connus ce qu'on a dit ça. Beaucoup ça. Malgré là où elle vivait. Mais la vie de cette femme, qui était à Nazareth, c'était une vie de louange. C'était une vie d'adoration. C'était une vie d'élévation de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a percé ce cercle. Et aujourd'hui, Marie est ce qu'elle est aujourd'hui. Alléluia. Quand ta vie c'est un culte. Quel que soit ce qu'on a fait dans ta famille. Toi tu sortiras. Alléluia. Quel que soit ce que le médecin dit. Toi tu vivras. Parce que ta vie c'est un culte. Alléluia. Tout ce qui glorifie Dieu. Appelle le miracle de Dieu. Appelle la délivrance. Appelle la solution. Tout ce qui glorifie Dieu. Tout ce qui rend culte à Dieu. Dieu le visite. La Bible nous parle de cette femme qui était liée pendant 18 ans. Et le Seigneur Jésus-Christ a vu dans la synagogue. C'était pas n'importe où. C'était dans la synagogue. Pendant combien de temps elle était liée? Pendant 18 ans. Mais cette femme. Et moi, si on... Elle a continué à rendre la gueule à Dieu. À chaque fois qu'il y avait une réunion, elle venait. Elle venait. Voilà pourquoi le Seigneur l'a trouvé dans le temple. Et ce qui est étonnant, la Bible dit. Quand le Seigneur est entré dans la synagogue, la Bible dit, le Seigneur l'a vu. Elle ne l'a pas regardé. Mais le Seigneur l'a vu. Je peux te regarder. Sans te voir. Il y a des gens dont tu regardes. Mais ils ne le voient pas. Mais c'est le Dieu qui culte à Dieu. Dieu le voit. Alléluia. Quand Dieu te voit, ta vie change. Quand Dieu te voit, ta vie change. Jésus a vu cette femme. Sa vie a changé. Elle a été délivrée. Mais bien aimé dans le Seigneur. Quand ta vie c'est un culte agréable à Dieu. Même si les médecins ont dit tu m'as enfanté. Tu vas enfanter. Amen. Tu vas avoir des enfants. Alléluia. Alléluia. Le frère de Joseph. Nekola Joseph. On prit la tenue de Joseph. Azwaki Oezaki. Où est la Joseph?
Joseph. Ils ont apporté ça à leur père. Ils ont dit, voilà la tignée de ton fils. Et regarde le sang. Le père a regardé. Il a reconnu c'était la tunique de son fils. Il a reconnu ça. Il a vu le sang. Il a dit. Je crois que c'est une bête féroce qui a dévoré mon fils. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y avait une preuve. La tunique était là. Il y avait le sang. Il y avait la tunique. Il y avait le sang. La preuve était inévitable. La preuve était là. Mais bien aimé dans le Seigneur. Pendant qu'il disait son fils était mort. Pendant qu'il disait mon fils est dévoré. Malgré le prof qui était là-bas. Ce que je ne savais pas. C'est que Joseph était vivant et Joseph. Alléluia. Quand ta fille c'est un culte. Merci le médecin, on dit ton cancer est à la phase finale. Tout le monde, tout le prouve. Le message que Jésus-Christ te dit. Pas de guérison quelque part. Pour miracle quelque part. Alléluia. Alléluia. Quelque chose qu'on peut te montrer comme preuve. Si ta vie c'est un culte à Dieu. Les choses vont changer. Alléluia. Alléluia. Le culte devant le trône. Dieu nous attend dans sa présence. Et il ne veut pas qu'on entre. Et après on repart. Mais il veut qu'on demeure dans sa présence. Quelqu'un peut nous aider à lire 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. 1 Corinthiens 10, 31. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Alléluia. Voilà le culte. Voilà le vrai culte. Soit que vous mangez. Soit que vous buvez. Soit que vous êtes malade. Soit que vous fassiez quoi que ce soit. Mais faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout de façon à glorifier Dieu. C'est ça le vrai culte, mon Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu attendait. Et c'est ça la volonté de Dieu. Au ciel comme sur la terre. C'est lui qui dit être dans la présence de Dieu. C'est lui qui est devant le trône de Dieu. Il ne peut pas rester debout. Dans la présence de Dieu. Tout le monde se prosterne. Tout le monde se prosterne. Voilà pourquoi le jour où le diable Lucifer, Satan Lucifer et d'autres anges se sont mis debout. Dieu a pris votre place debout ici. Alléluia. Dieu a dit votre place de plus. Dans la présence de Dieu. Tout le monde se prospère. Tout le monde est de Dieu. Tout le monde glorifie Dieu. Le diable a dit, moi je mets debout. Et Dieu lui a dit aussi. Ta place n'est plus ici. Et si je te chasse ma présence. Alléluia. Demeurons dans la présence de Dieu. Et nous verrons les choses changer. Ça fait combien de temps que tu pries pour le sujet qui te tourmente? Tu as chassé. On t'a imposé les mains. Je ne sais pas si on t'a imposé les pieds aussi. Je ne sais pas si on s'est assis sur toi. Mais ta situation peut toujours.
Essaye un peu de regarder ta vie.
Est-ce ta vie glorifie Dieu? Est-ce que pour moi il a eu ta vie élève Dieu? Pour moi il a eu la est-ce que Dieu prend plaisir à ce que tu fais? Sinon tu peux lui comparer Dieu. Alléluia. Les Dieu tu m'es bien aimé. C'est tout ce qui glorifie Dieu. Les alliés sont pour mis ensemble. Ce ne sont pas simplement des simplements. Je vais vous dire une chose. C'est très important. Le vrai culte, c'est réjouir le cœur de Dieu. Et donc chercher à impressionner ses oreilles. Savez, aujourd'hui, nous cherchons à impressionner Dieu. À impressionner les oreilles de Dieu. Avec des prières compliquées. Dieu, notre Père, Dieu, Seigneur. Et quand nous attendons, ça ne va pas nous étonner. On veut impressionner les oreilles de Dieu. Quand tu parles un autre lingala. Mais quand tu pries. C'est comme si pour que Dieu t'exauce en rapport avec la façon de prier. T'attends jamais. Mais tu prononces jamais, tu ne vas pas jamais. Qui c'est Mathieu? On va impressionner les oreilles de Dieu. Mais le vrai culte. C'est réjouir le cœur de Dieu. C'est toucher le cœur de Dieu. La Bible nous parle de la veuve qui avait donné deux pièces. Vous savez pourquoi on parlait de cette femme? Parce que cette femme a fait quelque chose d'extra. Elle a donné juste deux pièces, c'est rien du tout. Mais son geste a touché le cœur de Dieu. Alléluia. Cette femme a rendu un culte agréable à Dieu. Le culte, c'est aussi donné à Dieu. Mais avec un cœur bien disposé. Alléluia. Rendons un culte à Dieu, mes bien-aimés. Réjouissons son cœur. Ne cherchons pas à l'impressionner. D'ailleurs, la Bible dit, car rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Et là, au moment où comme ça, il n'y a rien qui est étonné de Dieu. Parce que quand tu pries même en langue, tu impressionnes Dieu. Ah, il écoute ça chaque jour. Le Seigneur est comme ça, on s'embête. C'est là l'étonne par le Seigneur. Mais c'est que Dieu attend de toi. Que son cœur soit touché. Que son cœur se réjouit. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit. La joie de l'Éternel sera votre force. Quand le cœur de Dieu dans la joie, les choses changent. Alléluia. Un jour, j'étais avec mes enfants. Et le plus âgé, merci parce que le plus âgé m'avait demandé quelque chose. Et je lui ai donné. Il m'avait demandé de l'acheter le kebab. Je crois que vous connaissez le kebab. Je lui ai acheté le kebab. Et quand on est arrivé à la maison, pendant qu'il mangeait, sous la joie de ce kebab, il a commencé à dire à son frère, papa, c'est génial. Ah, papa, il s'est dit comme il dit à son frère, tu sais, papa, il est génial. Papa, il est bon. Papa, ça m'a l'air. Là, il mange le kebab. Papa, il est extra. Ah, ça, pour le papa, c'est extra. Et vous savez ce que moi je fais? Le jour après, il ne m'a rien demandé. Kebab, il sousou. Il n'avait pas demandé.
Même si tu le lèves. Il te donne. Même si tu le lèves. Je fais comme si je n'écoutais pas. Moi, dans ça, tu l'as là. En ça, tu l'as là. Lobby. Ouais, il y a un problème là, mais on a eu. Celui qui avait mangé, ils ont divisé avec son frère. Mais oui, il a dit. Et les noms. Lobby, ma lobby là. Chacun a pris sa femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Les cultes, le vrai culte, et bien,
Lianga ya solo ezali ko kansa mala ko kulisa. Le vrai culte. Lianga ya solo. Et il y a une obéissance. Ezali peza ko kamana ko tos. C'est lui qui rend un culte agréable à Dieu. Ko tos opesa nzambe lianga ya kitoko. Il est celui qui obéit au précepte de Dieu. Ezali moto ezali ko tos amalo wana nzambe. 1 Samuel 15, 22, la Bible dit. 1 Samuel 15, 22, Bible et l'Obi. L'obéissance est mieux que le sacrifice. Ko tos a eleki ko nyoko la zone. Donc celui Motoyo qui rend un culte à Dieu. Ouais, pays, lianga. Il est celui qui obéit au sacrifice. Tu ne peux pas me dire que tu rends culte à Dieu pendant que tu n'obéis pas à sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ a rendu un culte à son Père. Et la Bible dit, il a été obéissant jusqu'à la croix. Voilà le vrai culte. Celui qui rend culte à Dieu, c'est celui qui obéit aux préceptes de Dieu. Comment veux-tu voir la main de Dieu dans ta vie? Pendant que tu n'obéis pas à ses préceptes, la Bible dit ceci. Si tu obéis, moi Dieu, je fais le ceci. Parce que celui qui obéit aux préceptes de Dieu, c'est celui qui a un culte agréable à Dieu. Alléluia. Obéir aux préceptes de Dieu, c'est réjouir aussi son cœur. Les cultes, mes bien-aimés, est aussi au service. Celui qui a un culte agréable à Dieu, il est celui qui le sert aussi. Parce que nous sommes sauvés pour servir. La Bible dit, un jour, le Seigneur Jésus-Christ était parti chez Pierre. Et ils ont trouvé la belle-mère de Pierre qui était malade. Le Seigneur lui a imposé les mains. Et du coup, la fièvre était partie. Et la Bible dit, dès qu'elle était guérie, elle a commencé à les servir. Nous sommes sauvés pour servir. Quand tu dis rendre un culte à Dieu, mais tu ne le sers pas. Non, mais bien aimé, le service fait partie du culte. Le Seigneur Jésus-Christ a rendu un culte agréable à son Père. Et il lui a servi toute sa vie. Alléluia. Alléluia. Si tu ne sers pas Dieu, ça peut dire que tu ne rends pas un culte. Dieu, il ne veut pas te forcément bénir le micro ici devant. Non, mais bien aimé. Il y a plusieurs façons de servir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'habitude de servir Dieu en faisant ce que les gens veulent voir. Tu peux faire quelque chose que les gens ne voient pas. Mais que Dieu voit. Alléluia. Amen. Le culte se servir Dieu aussi. Laissez-moi répéter ceci. Les cultes, mes bien-aimés, ce ne sont pas des mots. Ce n'est pas un lieu. Ce ne sont pas des gestes. Mais ce sont des choses qui glorifient Dieu. Et parmi les choses qui glorifient Dieu, c'est le servir aussi. Ça, ça glorifie aussi Dieu. Et Dieu l'attend aussi de notre part. Alléluia. Et le culte, c'est aussi marcher dans la sanctification. Si tu ne marches pas dans la sanctification, comment peux-tu entrer dans la présence de Dieu? Car ceux qui entrent dans la présence de Dieu sont ceux qui se sanctifient. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur veut que nous lui rendons un culte. Il veut que notre vie se passe devant sa présence. Ça veut dire simplement, il veut que nous fassions des choses qui le glorifient. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que ta vie glorifie Dieu?
Est-ce ta vie élève le Seigneur Jésus? Si ton Dieu est loin de le rendre un Dieu. Et sachez d'une nouvelle année aussi de la vie. Alléluia. Alléluia. En sortant de ce lieu. Changeons notre façon de voir les choses. Changeons notre façon de marcher. Si nous voulons voir Dieu intervenir dans nos vies. Changeons notre façon de voir les choses. De là, tout le monde a conduit. Glorifie Dieu. Élève Dieu. Célèbre Dieu. Quoi que nous fassions. Que nous mangeons. Que nous dormons. Que nous travaillons. Que tout soit pour la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Le culte devant le trône. Est-ce que Dieu est devant la présence de Dieu? Ou tu es loin? Si tu es devant la présence de Dieu, la seule chose qui peut nous dire que tu es devant la présence de Dieu, c'est ce que tu fais et qui glorifie Dieu. Sinon, tu es loin de la présence de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse.